Bonjour, c'est Jean-Marc Mandec sur ICI TV. J'ai toujours dit dans ma carrière, j'aimerais faire 10 championnats du monde. J'ai rencontré un adversaire au départ au mois de juin, j'avais pas boxé pendant 27 mois et j'ai gagné. Je l'ai fait à Nières. Nières, ça représente la banlieue d'où je sors moi. L'autre palier, ici les Mouniers, qui a une très belle salle, le palais des sports. Là, c'est le monté au cran au-dessus. Lui, il a été champion d'Europe. Et ensuite, si je gagne, un des derniers défis que j'aimerais, c'est pourquoi pas faire le Grand Palais, puisqu'il n'y a que Cerdan qui l'a fait en 42, et j'aimerais être le suivant. Je regarde pas mes adversaires, je regarde juste un petit peu si c'est un gaucher, un droitier, je regarde un round, et après je laisse ça à mes coachs, et je travaille, j'arrête pas, pour essayer de gagner. Mais si je perds, c'est-à-dire que j'aurais plus de raison de continuer, je pense qu'il faudrait s'arrêter. Je m'arrêterai parce que j'aurais tout fait vraiment et j'aurais pas de regrets. J'aurais pas encore à devenir aigri comme certains en disant ouais, mais si j'aurais pu, j'aurais fait. Non, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est que je pouvais pas et donc faut arrêter. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont envie de faire de la boxe, en espérant en tout cas que moi, le fait que je fasse ce combat et leur montrer que il faut jamais rien lâcher, il faut se battre et dans la vie c'est le travail. J'espère qu'il y en aura d'autres qui reprendront ma place et que la vie aura d'autres champions bientôt et que ça va motiver certains en tout cas. Donc rendez-vous le 5 décembre au Palais des Sports des Cérémonies.